Je me suis inscrit à la maîtrise à l'UQO parce que dans le fond, je me sentais bien. J'avais une cohorte d'appartenance, la cohésion était bonne. J'étais déjà impliqué justement dans un regroupement dans lequel j'avais été fondateur. Je voulais continuer à travers tout ça, puis je m'étais acclimaté dans le fond avec les professeurs, puis on a un bon rapport avec les professeurs. Donc j'ai décidé de faire ma maîtrise à l'UQO. Le fait d'avoir ma maîtrise va me permettre d'avoir accès à l'ordre professionnel. L'ordre professionnel me permet de poser un jugement clinique sur les capacités adaptatives du milieu et du client. Cet ordre-là exige une maîtrise. C'est là qu'il y a le gros pas qui se fait. La psychoéducation s'intéresse aux problématiques sociales, donc l'avancement des connaissances reliées aux problématiques sociales permet d'offrir une intervention parfois préventive, des fois curative. Moi, dans le fond, je m'intéresse aux caractéristiques parentales et familiales qui influencent le comportement alimentaire des enfants, dans le cas où est-ce qu'ils ont des comportements alimentaires problématiques. Moi, ce que je suis en train de découvrir, c'est que le comportement alimentaire peut être le reflet de problématiques de santé mentale qui sont un petit peu plus complexes, mais qui s'observent par les comportements alimentaires. On plonge dans un océan qu'on ne connaît pas. C'est un peu déstabilisant, mais en même temps passionnant, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir et on le découvre. Benjamin Pierre-Rondeau, étudiant à la maîtrise en psychoéducation à l'UQO.